Voilà, nous étions en train d'écouter une séquence de l'intervention du président du MAC et de la NAVAD, Farhat Mehenni, hier, suite aux incendies déclenchés ces derniers jours dans les massifs kabyles par les militaires algériens stationnés en Kabylie dans le bilan provisoire, fait état d'une trentaine de victimes. Le président Farhat Mehenni a convoqué pour le mardi dernier une réunion de crise du Haut Conseil de sécurité de la Kabylie. Le président du gouvernement provisoire kabyle, la NAVAD, et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie s'est adressé au peuple kabyle hier, mercredi 26 juillet 2023, vers le coup de 20h du soir. L'intervention du chef indépendantiste kabyle a été suivie sur la chaîne Takveilit TV et la chaîne Siwel, agence kabyle d'information, pour rappeler les citoyens kabyles à redoubler de vigilance et alerter l'opinion internationale des crimes commis contre la Kabylie et du génocide contre le peuple kabyle qui est en train de perpétrer le régime algérien dans le cadre de l'exécution de son funeste projet Zéro Kabyle, mis en place depuis le mois d'août 2019. Tout en présentant ses condoléances et celles de tout le peuple kabyle aux familles proches et des victimes qui ont perdu la vie durant les incendies criminels, Farhat Mehenni a assuré du soutien et de la solidarité de la nation. Il a renouvelé son exigence afin que la junte au pouvoir à Alger libère tous les prisonniers politiques kabyles qui croupissent arbitrairement dans ces geôles coloniales. Restons avec quelques séquences de ce discours de Farhat Mehenni et restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Sims, un juge de la FU 21 sur la Daira. Achimim, il y a un Sims. Astaxim, il y a un Tirin. Le juge de la FU 21, Nand, Belil, Maroc, il y a un يو نسل الابيون و نسل الدرون شقانتني ديال الماك يسرق ساموس الناس تقص سطار الزيت يعلق لكذا ما قينيكات و يتعدى يران ولا ذي ثبورت دا شو هيا قينيكات يفكي التسبع ثوي في أفار سنتونيت يو ذابو ممهارسان أديريو يوكن هذا هو من مغنسن يكون قبيليين ولي يخدم نشمة الحباس وثني كون داني عمور نار أثني تورتور ألا ما داين قارن باللي أستعرفن ذنو ثني خدمين والخدمين إيو سويسا On annonce des arrestations.
سعدان ديو في الفيديو تيجا برميا ما كان زين ديونو مكان ثانو فان دان دات دات مس لقيونو مضيق خدم من الكانون ايا الدنيا تفرغم يعني تخدم من الكانون هذا سون البيرام هذا السبون اي طنش يعني ويتا دايرام دي سبورس ولا دايكين سيت اون ميز ان سين افيك دي كانيت دو بيير امريكان دي كولومبو هاتو دي سغوال على كاكينيشات اميلين ديو امسلين ديو اموسكوسا ميم كولومبو بيردري سون لاتان دوفون la rapidité avec laquelle les services d'investigation plient les deux affaires. On a déjà des coupables et les dossiers sont déjà transmis au tribunal de Sidi Mohamed pour terrorisme. Voilà donc, Farhat Mehenni a vivement dénoncé les mensonges des caporaux qui dirigent l'Algérie. Ces caporaux qui allument des feux pour brûler les Kabyles et qui accusent le Maroc, Israël et le MAC. Farhat Mehenni. Je suis sûr que c'est une affaire de terrorisme, mais du terrorisme d'État contre la Kabylie. Il faut savoir que l'État algérien est un État terroriste. Il terrorise les Kabyles particulièrement. Qui est derrière ces flammes? Des feux de forêt, la Kabylie, on a toujours connu. Y compris du temps de la France, y compris du temps des Turcs. Mais les Kabyles ont toujours apprivoisé la situation, dompté la nature, et il n'y a pratiquement jamais de mort. Donc, les Kabyles ont suggéré les feux quand ils avaient l'autorité sur leur territoire. D'aucuns pourraient dire que, quand même, ces derniers temps, il y a des changements climatiques, il y a la canicule un peu partout, on le voit en Grèce, on le voit en Sicile. D'accord. Mais, en Grèce et en Sicile, il n'y a pas de mort. Voilà, les choses ont été claires. Farhat Mehenni a tout dit. Farhat Mehenni a cité les quatre vérités sur les caporaux et les crimes qu'ils sont en train de commettre en Kabylie.